Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Je dis à ce grand plaisir pour moi avec nous dans la vidéo. Ça, à côté, nous allons parler de Visa et HTR2B, dernière nouvelle qui fait tomber. Et nous allons parler de Visa Chili et tout détail qu'on doit connaître. Puis, explication, nous allons parler de Visa et Suriname tour, nous allons parler de visa Équateur qui est actualisé et nous allons parler de un ensemble de visa qui peut-être ou même ou pas connaît qui fait ajustement la donne et qui va les payer tout Haïti capable haïtien capable voyager sans visa actuellement là et d'après recherche par nous d'après information que nous fait connaît et nous venons partager toute information ça avec vous. Et bien avant de commencer qu'il faut connaître avec frère Jean Gadi et au sauver ça tout partout. Et c'est tout un plaisir pour nous ensemble avec vous en dans vidéo ça pour nous toujours là à porter vidéo pour nous satisfaire dans sens que nous capable pour qu'on connaît comment bagaille est déjà et en pile jeune et vous voulez quitter pays en pile jeune veut voyager mais cependant il y a des restrictions et il y a ensemble de pays pour voyager entre à la dedans que des bagaille qu'on connaît d'abord avant que vous faire départ ça avant que vous choisir entrer à l'an pays que vous voulez aller à et ce pays nous pas offrir nous rien qui fait nous mettre comme nous dehors de toute façon qu'on s'allie bon au service à tout partout frère Jean Gardien m'a prédit nous ça encore nous avons porté genre d'information ça pour et au capable contacter nous tout pour service surtout sur besoin quelque service et dans numéro nous qu'on doit regarder sur écran et pas oublier abonner et partager vidéo ça et faire tout le monde well et pour plus j'ai capable well. Et c'est comme ça tout capable de remercier nous tous pour information ça qu'on a porté baou peut-être ou même pas de connaître si on l'école son leçon à faire avoir et n'a faut connaître que dernière nouvelle là pour entrer directement dans vidéo a et on connaît grand peu monde qui intéressé avec visa HTRDB et bien avant n'a faut connaître tout et Équateur lui-même et actualiser et visa là c'est Équateur pour monde qui t'a aimé dans pays Équateur parce qu'on connaît et longtemps là il faut que des gros visa pour entrer dans le pays Équateur actuellement là il y a un haïtien qui besoin entrer dans le pays Équateur pas besoin de visa et il y a pas nos visa l'arrivée dans le pays Équateur côté on fait actualisation dans bagage ça côté seulement gain pour inscrit sur site internet et gouvernement dans le pays Équateur côté au ensemble des documents seulement on prendre voyer bayo et puis document ça lui-même yo yo document ça lui-même y a vérifié scanner et puis après là où il vient à l'aéroport là on va venir acheter vol pour ticket voyager puis là où il vient à l'aéroport là et au cas voyager normalement parce que au gon laisser passer pour prendre sur internet là avant que acheter ticket voyage là pour aller c'est pas comme si on prend l'ambassade encore tout pays actuellement là commencer faire bagaille de façon sous et de façon informatique côté pour on a vendre visa il pas même besoin de l'ambassade parce qu'on est l'ambassade dans petit pays des vieux pays bot toujours gain guerre ambassade qu'on risque faut que grand ensemble de sécurité derrière d'eux et c'est grand en pile logistique qu'on a là à faire réduction dans sacré l'ambassade dans pays dans le monde entier qu'on comment faire économie tout pays dans crise dans inflation et pour me faire nous connaître que Chili tout actuellement là et tout visa il faut qu'on prenne sur internet ou capable faire ça pour quoi ou capable au monde faire ça pour ça va dépend comment va yo ou grand ensemble de documents tout que on a besoin réunir pour capable prendre visa Chili ça bien facile si c'est sous forme touriste si c'est sous forme étudiant si c'est sous forme et regroupement familial grand ensemble de documents qui spécifique à chaque groupe monde ça yo qui pour faire demande pour visa Chili pour yo joindre chaque monde gon visa qui type à eux même chaque groupe moun sa gon visa qui type à eux même ou ka besoin tel document li même ni pas besoin ça ka besoin tel document li même ni pas besoin mais en fonction de tout document yo gen des documents qui obligatoire côté faut qu'on gen et passeport qui a jour faut qu'on gen casier judiciaire faut qu'on gen et ensemble des documents qui gain rapport avec demande visa faire sur son visa touriste faut qu'on capable prouver que gain assez fonds financiers côté ou ta mais entrer dans pays Chili et sous compte en banque ou bien un business qui garantit fonds ça si c'est pas parce qu'on gain comme la banque mais au moins faut que ouais côté comme la sortie
faire va et vient pour yo capable bon visa ça. C'est ça que ou besoin connaître, c'est tout petit détail ça. Gagne qui ca vient yo dit non, y a pas un visa pour mais qui ça pour faire mais qui ça pour faire et puis regarder ouais ou faire des années ou pas jamais entrer dans pays Chili et comme ça te banex ça c'est comme frère pour régler bail ça pour et puis comme ça perdu. Et ben dans sens ça, c'est dans façon ça nous vient dire que visa pour entrer dans pays Chili et gon ensemble des documents pour préparer faut qu'on connaisse d'abord ou à monter sur système là ou à faire des demandes là ou à regarder chaque document yomando ou à le faire après ça on save et compte qu'on crée dans système immigration après ça ou à faire document ça ou porter bail et puis l'offre upload les y a fait suivant avant et l'offre fait suivant y a demandé ensemble notre document toujours et côté ou même ou si posé et à chercher document ça pour bail propre sous pas gain le faire c'est bon bagage qu'a fait jodi a et yo pas commetté et pays Chili pas commetté qui liste document que ou a gain besoin pour faire ça vraiment en public ne va pas faire public pour le jour mais qui liste document ou a gain besoin vraiment vous comprenez so, si pays Chili mettait le public mais il pas mettait le public mais même moi pas gain droit pour mettre le public moi connais yo mais au même supposé entrer en contact avec moi laisse ça partager ensemble avant m'a dire quels documents que besoin le soir que besoin et puis comme ça et puis toute bagaille est clair parce que même pas mettre en un public et parce que connait l'en fait vidéo ça c'est pas nous un seul grain monde qui regarde c'est des centaines monde c'est des milliers monde qui regarde vidéo yo bien que nous pas jeune appel like appel commenter appel abonner mais de toute façon des bon grain monde well seulement nous senti nous satisfait parce que vidéo c'est un message nous te porter un grain monde qui well seulement nous senti nous satisfait parce que monde nan well et les monde ça well la fait l'autre 10 monde well 10 monde a fait l'autre 10 monde well c'est comme ça lié c'est comme ça lié gain monde qui gain numéro moi pas connais yo dit son monde qui ba yo c'est comme ça mais bam jour vidéo a et nous te parler de visa Équateur, nous te parler de visa et Chili qui actualisé et puis nous parler de visa Canada. Là nous te font vidéo là dans notre côté nèg te fait connaître que comment les faire venir plus facile là, les venir plus facile actuellement là pour prendre visa Canada quel que soit dans pays côté hier. Ou te Haïti, ou faire monde faire forme dans pour sur internet normalement côté ou capable rédiger tout document ça ou aller pas besoin passer dans ambassade encore. Ou son visa tour et soit prendre si son visa famille ou prend ces mêmes bagages, si son visa étudiant ou prend ces mêmes bagages, c'est ça que je veux faire nous connaître. Je veux faire nous connaître ces mêmes bagages liés. Et ça, j'ai besoin de même pour prendre un visa touriste, grand ensemble de documents qui spécifiques j'ai besoin, grand ensemble de documents j'ai besoin pour tout pays honnête actuellement là, il actualise le système et des droits immigration dans pays wa. Tout pays net après fait forme immigration dans pays wa. Même les États-Unis là gon ensemble de bagarre ils commencent à alléger pour dans sa gain là qui gain rapport loi droit du travail ils toujours strict oui mais ils toujours alléger sa gain rapport avec loi pour monde qui a le travail dans pays ils commencent à bâtir léger pour l'autre pays et descendre un petit genre il a fait bagarre un petit genre publicité parce que même tout ont besoin monde pour travail c'est ça fait nous gonne nouvelle ça même pour tout gens bien entrer dans nouvelle États-Unis qui c'est visa tiers de big gonne nouvelle la fait tomber c'est que actuellement là 18 mai mercredi a été passé là et ministère du travail dans pays Canada et ça qui gagne rapport avec dollar et il y a plein monde qui va comprendre ça m'a dit monde qui regarde vidéo mieux longtemps et yo approuvé pour toute compagnie dans pays États-Unis qui te fait demande là pour visa H-2B pour voyer lettre ba mon en Haïti pour mon venir travailler là yo approuvé ça côté compagnie ça a commencé faire pétition voyer contrat ba mon en Haïti et mon dans tout partout dans monde là on va te connaître pas c'est l'Haïti après pour commencer venir et fait de marche administratif bon côté ambassade pays côté y a vive là yo ba yo droit yo ba yo approbation côté yo même yo gen droit pour yo et voyer lettre travail rempli formulaire I-129 là pour monde en Haïti pour monde dans tout pays dans tout monde là
c'est ça fait même aux amis ou même et bagala pas confiné, c'est de 1er avril jusqu'à 30 septembre. Processus là est long, il est toujours long. Nous avons perdu un mois de mai. Ou ka toujours chercher compagnie sur internet, chercher compagnie sur internet. Ça qui gagne pour un visa H2A ou bien un visa H2B, ou capable toujours chercher compagnie, postuler, voyez ses vos bio, chercher contracteur autour, contracteur. Parce que les gens qui disent que les contracteurs ont fait promotion pour une compagnie qui a besoin de tant de monde, mais ce n'est pas seule compagnie qui a gagné. La compagnie qui a gagné pour un contracteur, c'est parce que le contracteur a fait jouer le monde. Mais cependant, il y a l'autre contracteur qui n'est pas seulement haïtien, qui n'est pas seulement haïtien. Il y a plusieurs étrangers qui travaillent dans ça qui ont rapport avec le droit. Et il sur immigration et qui c'est contracteur que moi partage avec nous en pile sur dans vidéo moto comme Abgen Adnil Services, c'est un grand contracteur et en pile grand et pile monde dans pays latino toujours utilisé pour yo et joindre visa et pour capable joindre bénéfice visa travail pour travailler dans pays États-Unis. Et ben loi fait accepter là, yo ka commencer faire pétition pour monde gars pile monde qui pas jeune lettre, qui pas jeune travail, qui pourra commencer capable faire deux marches pour aller remplir formulaire 260 là. Bon, de toute façon, yon monde qui pas ka faire 260 là, ou ka toujours écrit dans commentaire vidéo ça, écrit dans commentaire vidéo ça, ou dit ou même qui ta gen chance joindre visa ça, sauf pas ka remplir 260 là, et ben nous on a fait une vidéo sur ça ou bien nous capable entrer en contact avec vous direct pour nous faire plus privé parce que vous connaissez tout le monde, vous faites privé des fois. Et je pense que cette vidéo est claire et je pense que vous avez fait une vidéo. Si vous n'avez pas dit ou bien vous avez dit parler de lui, vous avez dit, dites ça dans les commentaires et je vais retourner sur ça ou bien vous avez une explication dans les commentaires. Tout parce que là, nous faisons une vidéo, nous portons une explication pour vous, mais de toute façon, vous avez planifié et puis nous venons. Mais ça arrive tout, il y a quelques explications qui manquent. Bon, c'est l'homme nous va comprendre. Je souhaite que la vidéo ça te fait nos plaisir. Je pense que nous allons dans l'autre vidéo très bientôt. Et pour me porter une autre information pour nous par rapport à ça qui est rapport à sujet, visa, voyage dans tout pays, dans tout le monde là. Ou sur visa tout partout avec Frère Jean Gardi. De toute façon, toujours abonné, pas jamais laguer nous. Je pense que nous allons dans l'autre vidéo. Nous allons parler.